Madame le maire de Montpellier, monsieur le maire d'Amiens, mesdames, messieurs, par la magie de la technique, je puis aujourd'hui être avec vous à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Vous le savez, cette journée est célébrée le 17 mai dans plus de 70 pays à travers le monde. Cela permet de faire avancer l'égalité des droits dans un monde où plus de 80 pays pénalisent l'homosexualité. Nous avions d'ailleurs lancé un appel en ce sens en 2006, qui était suivi des faits et a abouti à une déclaration aux Nations Unies en 2008. Ce fut une première historique. L'an dernier, le comité IDAO que je préside et qui coordonne cette journée a souhaité attribuer une palme d'or à la mairie d'Amiens, à l'équipe municipale, à Jean-Claude Ester et aux associations qui, sur le terrain, au quotidien, permettent de faire avancer l'égalité des droits et permettent de faire reculer l'homophobie et la transphobie. Car nous croyons que c'est sur le terrain que cet enjeu se joue également. Pour cette année 2011, nous avons souhaité récompenser Madame Mandrou, maire de Montpellier, pour son activisme, son engagement, son courage, puisqu'elle a osé braver la loi discriminatoire en mariant des couples de même sexe, sinon dans la loi véritablement, mais du moins par les symboles. Ce faisant, elle a permis de faire avancer dans ce pays les représentations en attendant qu'une loi véritable permette de manière effective de reconnaître l'égalité des couples, l'égalité des familles, l'égalité tout court. Voilà, Madame Mandrou, pourquoi nous avons tenu à saluer votre activité, votre soutien, votre engagement pour les droits humains. Nous sommes heureux de vous remettre cette palme d'or et nous souhaitons pouvoir poursuivre avec vous notre coopération et la remettre l'année prochaine avec vous à une nouvelle personnalité qui puisse suivre vos pas et ceux du maire d'Amiens, que je salue également à cette occasion. Merci à vous tous et bon IDAO 2011.